notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour cet instant que tu offres encore à l'humanité pour bénéficier de ta miséricorde, celle-là que tu as manifestée au cours de ton existence terrestre, dans les temps de ton incarnation, lorsque tu as donné sans compter ta vie, et en montant sur le bois de la croix pour t'offrir au Père, pour le salut de chacun de nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette miséricorde insondable et infinie qui a coulé sur l'humanité, déjà sur la colline de Golgotha, et qui se perpétue encore aujourd'hui, comme tu l'as promis, et ceci jusqu'à la consommation des siècles. Merci, Jésus d'amour, pour tant d'amour. Merci pour tout ce que tu prévois pour chacun de nous en ces temps de grande anxiété. Tu sais combien nos cœurs attendent les jours nouveaux où nous pourrons entrevoir une vie normale et bien plus encore être en intimité, en communion avec toi et participer au sacrement. Nous te prions humblement, Seigneur. Permets que tout se passe conformément à ce que tu as prévu et que tes enfants, au cours des temps qui viennent, retrouvent cette grâce, un signe de n'être pas séparé de toi. Nous te supplions, Seigneur, permets que ton Église revive pleinement, refleurisse encore plus belle et porte de fruits plus abondants. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous te supplions humblement. Accorde à ton Église la grâce de voir ses enfants être complètement irradiés de ton amour. Nous te supplions, Seigneur, que ta miséricorde coule sur ton Église, sur chacun de nous, sur les âmes consacrées, et que tous ceux qui professent ton nom et qui confessent que tu es Seigneur et Sauveur trouvent la voie de la véritable vie. Seigneur, celle-là que tu infuses dans l'âme de ceux qui espèrent en toi. Une vie libérée de toute attache, de toute difficulté intérieure, de tout ce qui peut contrer et contrarier leur union à toi. Seigneur, que ta miséricorde coule sur l'humanité et sur tous ceux qui en cet instant prient avec nous, avec notre communauté de paroisse, tous les habitants de Soffel et Reichstätt. Te prions, Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang, jaillis du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Accueille-nous et blottis-nous dans ton cœur, Seigneur, et donne-nous de vivre déjà dès ici-bas la vie que tu veux que nous menions, un jour quand nous te verrons tel que tu es, la vie du ciel. Seigneur, établis-toi en nous et irradie ton amour dans les fibres les plus reculées de notre être, et que ta miséricorde inonde le monde, inonde l'humanité, inonde les mourants, inonde tous ceux qui désespèrent, tous ceux qui vont à leur perte, inonde les cœurs endurcis, et que toi, Seigneur, tu règnes au cœur de la création que tu as façonnée par amour. Bénis-nous, Seigneur, et garde-nous dans ta paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur la passion de notre Seigneur. Des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient
ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlions d'hier dont nous sommes à la 7e heure des heures de la Passion de notre très saint Seigneur, tel qu'il a donné de contempler et de vivre à sa servante Luisa Picaretta. Et nous avons dit que ce n'était pas une variable, c'était un fondement de la vie intérieure, de la vie d'union à Dieu, que d'entrer dans la compréhension de sa passion, et non seulement dans la compréhension, mais dans le vécu intérieur de cette vie qu'il a menée, et surtout dans les temps concentrés des dernières 24 heures. Et nous sommes au cœur d'un mystère qui dépasse tout simplement l'entendement humain, qu'un Dieu nous aime infiniment au point de mourir. Et nous avions dit, frères et sœurs, dans la causerie d'hier, que ce n'est pas la souffrance qui sauvait, mais c'était l'amour. Et que la souffrance était la conséquence de l'amour. La souffrance de Jésus sur la croix n'est pas, il n'a pas souffert pour souffrir, il a souffert parce qu'il aimait infiniment le monde. On ne le dira jamais assez, parce qu'il a aimé infiniment, il a souffert infiniment. Et nous parlions de la 7e heure, donc de ce moment précis où Jésus, n'est-ce pas, voyant les disciples qu'il avait favorisés d'une manière particulière, s'était complètement détourné. Et s'était assoupi dans un sommeil profond. Un sommeil physique qui annonçait et préparait le sommeil spirituel de nombreuses âmes consacrées au cours de l'histoire de l'Église jusqu'à la consommation des siècles. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre combien Jésus a souffert, de voir que les personnes qu'il a privilégiées singulièrement, en leur offrant ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus noble, son corps, son sang, son âme et sa divinité, qu'ils s'assoupissent ainsi dans un sommeil, dans une torpeur, qui laisse l'ennemi entrer dans la bergerie. Et ça, c'est pourquoi Jésus va crier toute sa souffrance et dit: vous n'avez pas pu veiller une heure. Ensuite, on a vu que Jésus va faire recours à sa mère, demander à sa mère de venir à son aide, demander à Marie-Madeleine, demander aux apôtres, et il demande à chacun de nous de venir à son aide. Et nous avons vu l'importance de Marie, la place qu'elle occupait dans l'œuvre du salut, son rôle de co-rédemptrice, même si ce n'est pas encore déclaré officiellement. Et la place insigne qu'elle joue aussi dans notre vie spirituelle. L'importance de recourir à Marie, de nous confier à elle, de demander son secours, de demander son aide, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Personne ne peut ignorer une maman. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin d'une maman. Nous sommes ici au cœur, frères et sœurs, simplement de la tendresse divine qui s'occupe de nous dans les interstices de notre être les plus insignifiantes, en nous offrant ce qu'il y a de plus beau, une tendresse maternelle, celle-là qu'il a reçue lui-même au cours de son incarnation, et que dans le jardin de Gethsémani, aux heures de sa passion, lorsqu'il entrevoit la grande douleur, réclame. Ce qu'il réclame encore, le secours de sa mère. Et nous avons dit, frères et sœurs, que nous aussi, il était question pour nous de suivre cette maman et de nous mettre à son école et d'une part, aider Jésus avec elle à consoler, à le consoler. Et comment est-ce que la consolation se fait spirituellement? La manière la plus forte, telle que le Seigneur le donne à contempler à Luisa. La consolation de Jésus, c'est quoi? Pourquoi Jésus souffre?
Jésus a soif des âmes. Jésus a soif des âmes. Quand il va crier sur la croix, Sitio, j'ai soif, une soif stridente, il a soif des âmes. C'est des âmes dont il a soif. Il attend les âmes. Et donc, la consolation suprême qu'on puisse lui donner, c'est de lui donner des âmes. Et comment pouvons-nous nous lui donner des âmes puisque nous sommes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit par nous-mêmes, puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Simplement, frères et sœurs bien-aimés, en se servant de ce qu'il est, de ce qu'il a, et surtout de ce qu'il a versé son sang, pour lui ramener les âmes. Et c'est alors que Louisa, avec la très sainte Vierge Marie, dans la perception qu'elle a et dans le vécu qu'elle a, va parcourir le monde pour donner le sang de Jésus aux différentes catégories d'âmes. Elle va répandre ce sang sur tous les êtres humains de différentes catégories, de ceux qui espèrent à ceux qui sont dans le profond désespoir et qui se perdent. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle va parcourir le monde et demander à sa très sainte mère, notre maman du ciel, de l'aider, de venir avec elle pour répandre le sang de Jésus sur les hommes. Mais avant d'y arriver, frères et sœurs, nous pouvons nous poser la question, comment est-ce que nous pouvons répandre ce sang sur l'humanité? Comment pouvons-nous, puisque on peut objecter en disant que Louisa est dans une vision mystique, qu'elle est dans une relation particulière avec le Seigneur que nous ne pouvons pas atteindre. Comment, frères et sœurs bien-aimés, pouvoir le faire? Alors, très concrètement, comment est-ce que nous pouvons avoir contact avec le sang de Jésus au cours de notre existence, au cours de notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous avoir un lien avec le sang de Jésus? Vous avez certainement la réponse, frères et sœurs d'amour. C'est dans la messe, dans l'Eucharistie. Et donc, quand le prêtre lève la coupe du Seigneur, c'est vraiment son sang. C'est le sang du divin agneau. C'est le sang du Dieu trois fois saint qui est ainsi contenu dans la coupe, frères et sœurs. C'est le sang véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son sang véritable. Et alors, en ce moment particulier, comment pouvons-nous offrir ce sang aux différentes âmes à travers l'humanité? Frères et sœurs bien-aimés, en leur demandant de venir atterrir dans la coupe. Voilà. Voilà. En leur demandant de venir atterrir dans la coupe, frères et sœurs bien-aimés. Voilà comment nous pouvons répandre ce sang. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Beaucoup le font et beaucoup l'ont fait, beaucoup de saints l'ont fait. Pendant la messe, frères et sœurs, nous pouvons ramener l'humanité dans la coupe que lève le prêtre, dans lequel se trouve le sang du Créateur. Et ainsi, nous pouvons poser dans la coupe, au moment de la consécration, toutes les personnes que nous portons dans nos cœurs, toutes les âmes de toutes catégories, y compris celles pour qui nous n'avons plus d'espoir. Nous pouvons déposer dans cette coupe l'humanité passée, présente et future. Nous pouvons déposer dans cette coupe l'ensemble de tous ceux que nous considérons aujourd'hui comme ceux qui travaillent à pervertir l'humanité et à le dévier de sa vocation initiale. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Et l'amour, c'est la vie, et la vie, c'est dans le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus. Et alors, elle demande à la très sainte mère Louisa, elle demande, donne-moi ta main maternelle. Et elle demande à Marie de parcourir avec elle le monde pour répandre le sang sur toutes les âmes. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle met à contribution les anges gardiens qui vont l'aider et la conduit, les conduit, préparer les âmes.
Nous voyons la deuxième chose avant d'entrer dans les différentes catégories, on pourrait appeler les stations qu'elle va marquer pour répandre ce sang. Nous voyons qu'est-ce qu'elle fait, le sang de Jésus. Ensuite, il y a le recours de la Vierge Marie. Marie, maman, accompagne-moi. Marie, maman, accompagne-moi, maman chérie, accompagne-moi. Et puis, troisième aide qu'elle demande, c'est les anges gardiens. Savons-nous l'importance, frères et sœurs bien-aimés, des anges que nous avons à nos côtés? Les anges gardiens sont là pour nous aider spirituellement et sont là pour nous porter dans notre cheminement spirituel et même temporel. Ils sont là pour nous ouvrir les voies de la volonté du Père. Ils sont là pour nous porter sur nos chemins afin que notre pied ne heurte la pierre, comme dit le psalmiste. Ils sont là pour nous ouvrir le livre de la volonté, le livre de vie, le livre de vie, où nous pourrons voir nos noms inscrits. Ils sont là pour nous aider à nous réconcilier avec nos frères. Ils sont là pour nous aider à porter l'annonce de la bonne nouvelle aux nations avec onction et grâce particulière dans l'ordre de la conversion. Ils sont là pour nous aider tout court à être unis à Dieu et avec nos frères ensemble. Quelle est la place que nous réservons à nos anges gardiens, frères et sœurs bien-aimés? Quelle est la place que nous réservons à nos anges gardiens? Et donc, Louisa prend notre très sainte mère, prend les anges gardiens pour aller négocier auprès des âmes à qui, sur qui le sang de Jésus sera répandu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, la première station sera, selon ce qu'on lit dans la septième heure, nous sommes à la septième heure, donc de 23h à 24h. C'est l'heure sainte, c'est l'heure sainte. Nous pourrons aussi, nous aussi, frères et sœurs, avoir cette heure du jeudi au vendredi. C'est déjà une heure que Jésus a indiquée à Sainte Marguerite Marie Alacoque, l'heure sainte. Du jeudi au vendredi. Donc, où nous prenons un temps, ne fût-ce qu'une heure de temps, à veiller avec Jésus. Dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et alors, elle parcourt le monde et elle s'arrête en premier chez les âmes infirmes, malades, qui souffrent terriblement, qui ont des souffrances interminables et qui les plongent dans le désespoir et qui jurent, qui poussent des jurons et maudissent Dieu de les avoir créés. Et alors, elle va verser ce sang, elle demande Jésus de verser ce sang sur eux afin qu'ils comprennent le grand bien qui se trouve dans cette épreuve s'ils le vivent avec Jésus. S'il le supporte avec le Seigneur. Et elle demande la consolation et le secours de la Très Sainte Mère, afin que cette notre Très Sainte Mère leur tienne compagnie, les console, les soulage, les fortifie, pour qu'ils n'abandonnent pas la partie et pour qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir. Il y a effectivement énormément de personnes qui sont dans des souffrances indicibles que nous ne mesurerons jamais parce que nous ne les vivons pas, qui vivent le calvaire et qui sont prêts à tout faire pour sortir d'une situation extrême et parfois pour eux, la seule solution, c'est le suicide. Frères et sœurs, ces âmes sont nombreuses. Et dans cette souffrance extrême, beaucoup maudissent Dieu et posent la question « Qu'est-ce que je t'ai fait ?» pour vivre cela, pour endurer ce que j'endure. Et le sang de Jésus, pendant la messe, frères et sœurs, nous pouvons porter ces âmes et les déposer dans le calice, les noyer dans le sang de Jésus,
Nous pouvons même dresser une liste des personnes en fonction de toutes ces différentes stations. Et chaque fois pendant la messe, Seigneur, ton sang, je le répands sur ces âmes qui souffrent terriblement, de manière cruelle, extrême. Et nous pouvons ainsi prier pour nos malades, frères et sœurs. Il y a des malades qui souffrent terriblement, de manière extrême, comme ce Nicolas qui a 3 cancers et qui souffre terriblement en passant le cancer des os. Et c'est mortel, c'est terrible, terrible, frères et sœurs bien-aimés. Et ces âmes-là, ils sont dans une souffrance que nous ne pouvons pas imaginer. Ils demandent consolation et soutien. Et nous pouvons, comme lui a le fait, poser le sang de Jésus sur eux pendant la messe et demander à Jésus de les noyer de son sang pour qu'ils retrouvent consolation et soutien et force. Ensuite, frères et sœurs bien-aimés, Louisa parcourt le monde avec la très sainte Vierge Maman. Et va déposer sur les âmes moribondes le sang de Jésus. C'est la deuxième station, le deuxième endroit où il s'arrête. C'est une manière de parler, c'est moi qui parle des stations. Alors, ceux qui sont en train de mourir, et beaucoup de gens meurent dans un acte de désespoir. Et selon la vision de Louisa, il y a des démons qui entourent énormément de gens. Frères et sœurs bien-aimés, je ne vois pas des démons, je ne vois pas les anges, je ne vois rien. Mais très souvent, quand on accompagne certains défunts, on voit bien qu'il y a eu un combat. Sur leur visage, il y a eu, on se rend bien compte qu'il y a eu un combat. En regardant simplement leur visage, déjà sur leur visage est dessiné quelque chose de l'ordre d'une lutte terrible, d'une lutte terrible. On se pose, je me pose souvent la question, à quoi est due cette lutte? À quoi est due cette lutte? Dieu seul sait, frères et sœurs, ce qui se passait avec ces âmes au dernier instant de leur mort. Toujours est-il que on ne peut écarter aucune hypothèse. Il y a certes la douleur de la maladie et la douleur de l'arrachement de l'âme au corps lorsque la maladie est vive et l'instinct de survie tenace, ou encore il peut avoir effectivement des causes spirituelles que nous ignorons, comme Louisa le voit, visiblement, et ce n'est pas simplement Louisa qui le décrit, beaucoup de saints l'ont décrit, au jour, au dernier instant de notre mort, l'ennemi de tout bien fait tout. Marie, chemin qui mène à lui.
S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir l'aujourd'hui. Marie, tendresse, bonne vie, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cœur béni. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à faire un beau silence. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à écouter sa parole comme toi. S'il te plaît, Vierge Marie, demande à Jésus de m'apprendre à dire oui de tout mon cœur. S'il te plaît, Vierge Marie, prie pour nous le Seigneur Jésus. Il écoute, puisque tu es sa maman, et que nous aussi, nous sommes tes enfants.